ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Passion Végétale, ces petites interviews de passionnés à distance. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une personne qui, je pense, on ne présente plus au niveau du milieu des plantes, mais en tout cas, c'est une personne que je suis pour ma part depuis le début. Depuis cette toute première vidéo, et plus les années passent et plus j'adore, parce que j'ai vraiment découvert à travers son contenu et la personne qu'elle est, ce qu'elle dégage, une véritable bienveillance, de l'altruisme, une ouverture d'esprit, de la sympathie, une nana qui est très humble. Et ouais, vraiment, moi, j'adore vraiment. Un rendez-vous chaque semaine, je pense, pour beaucoup, puisque j'arrête le suspense. On va partir du coup aujourd'hui à la rencontre de la passion végétale de Marion. Marion Botanicole, que je laisse du coup se présenter tout de suite. Coucou Priscilla, et merci pour ton invitation, pour partager notre petite passion végétale sur ta chaîne YouTube. Donc moi, c'est Marion, ma chaîne YouTube, c'est Marion Botanicole. Et mon compte Instagram pareil. J'ai 33 ans, je suis lyonnaise et je suis enseignante. Merci Marion pour ta présentation. Avant de commencer les autres questions, maintenant que tu t'es présentée, je tenais à te passer un message et te remercier vraiment du fond du cœur voilà, pour ta participation à ces petites vidéos, puisque je sais à quel point tu as énormément de choses à faire et tu as pris de ce temps-là. Donc voilà, je voulais vraiment, avant de commencer, te remercier pour ça et te faire des bisous. Voilà. Petit moment remerciement fait, on va passer à deux autres questions d'un coup, donc la question 2 et la question 3. Peux-tu nous dire quand a commencé ta passion des plantes et ce qu'elle t'apporte au quotidien? Alors ma passion est née quand j'étais au lycée. Ça, j'en avais parlé mais il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube. Quand j'étais lycéenne, un jour pour mon anniversaire, je crois que c'était pour mes 15-16 ans, j'ai demandé à mon papa, puisque j'habitais avec mon papa, de refaire ma chambre de petite fille en une chambre d'ado. Donc j'ai eu un nouveau lit, un lit de place et un bureau. Et quand on a fait ce trip dans un grand magasin d'ameublement suédois, à la fin de notre visite, j'ai pris une petite plante, c'était un spatifilum que j'ai encore, et je l'ai posée sur mon bureau en rentrant. Et je me souviens, donc tout était blanc, j'avais tout acheté blanc. Je me souviens de m'être dit, ah ouais, ça change complètement toute l'atmosphère de la pièce. Et j'ai gardé cette plante depuis toutes les années, tous mes trips d'ameublement lorsque j'allais faire un tour pour mon premier studio d'étudiante, ensuite pour mon premier petit appart d'enseignante. Et ben je prenais toujours une petite plante. Et puis du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à les accumuler, à rechercher davantage. En lisant beaucoup, notamment pas mal de livres anglophones, puisque avant la passion des plantes Urban Jungle, il y avait pas trop de trucs en français, en tout cas pour les plantes d'intérieur, mais pas mal dans la littérature anglophone. Et voilà, je commençais à apprendre comment m'en occuper et le nom de mes plantes aussi, très important. Alors, ce que m'apportent les plantes au quotidien, je dirais que c'est un moment de relaxation et de méditation, sans forcément m'en rendre compte, parce que je suis très mauvaise en méditation. Mais je me suis rendu compte en lisant la définition de la méditation que c'était ce que les gens faisaient en fait en faisant de la méditation pleine conscience. Bah moi je le fais en fait quand je jardine, ça me fait beaucoup de bien, ça me détend. Et puis voilà, j'ai toujours habité en ville, enfin mon grand regret, non j'allais dire mon grand regret, c'est pas vrai, je suis une urbaine et depuis récemment où j'ai envie d'une maison, avant j'ai jamais habité en ville, mais du coup je voulais avoir un petit peu de verre chez moi. Une passion qui a commencé du coup très tôt et joliment avec les petites tripes dans le magasin suédois pour pas dire le nom. Tu m'as fait rire, je pense qu'on voit tous très bien de quel magasin tu parles. On a fait je pense pas mal de tripes dans ce magasin bouffe carte bleue comme je l'appelle. Et cette passion du coup t'a apporté plein de choses, ça c'est cool et je te rejoins complètement. C'est vrai que ça se rapproche comme ça d'un état de méditation tellement on est dans un instant de plénitude au fait et de calme. Et on a vraiment tout qui se détend, autant l'esprit que le corps. Donc c'est vrai que c'est joliment dit. Peux-tu nous dire, après ce qu'elle t'apporte, l'activité plante que tu préfères? Alors ce que je préfère dans le jardinage, il y a un temps je dirais que c'était l'entretien. J'aimais bien voir prendre soin de mes plantes, les voir évoluer. Et puis quand on commence à avoir une petite collection, l'entretien,
C'est un peu moins un moment rigolo. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais quand on a un peu moins de temps et une grosse collection, c'est un peu moins rigolo. Mais par contre, il y a un truc qui me fait toujours autant kiffer, c'est le bouturage. J'adore ça, j'adore le fait de pouvoir multiplier mes plantes à bas coût, de pouvoir les sauver s'il y a un problème, de pouvoir les offrir à des amis, à de la famille, etc. À des gens qui peut-être démarrent, du coup, leur offrir des plantes faciles et leur partager, leur diffuser, leur transmettre ce virus. Qu'est la passion des plantes vertes. C'est vrai que quand on a une green family, comme j'appelle, hein, une collection de plantes un petit peu plus importante, parfois ça peut être contraignant, c'est vrai, tu as raison, parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie aussi, du temps qu'on n'a peut-être pas toujours, de l'énergie qu'on n'a peut-être pas toujours non plus, et ça peut parfois être un peu relou quand on en a beaucoup, c'est vrai. Et concernant le bouturage, bah, j'ai qu'une chose à dire, vive le bouturage. Voilà, je pense que ouais, c'est l'activité que beaucoup préfèrent parce que bah, c'est amusant, c'est gratifiant, et puis c'est ludique aussi de montrer aux enfants à partir d'un petit rien, bah, hop, il y a toute une nouvelle vie qui se refait, c'est génial. Moi, j'adore aussi le bouturage. La vie pour les plantes adultes. Du coup, on va passer à la prochaine question. Est-ce que tu peux nous dire la plante que tu préfères? Et figure-toi, Marion, que j'ai fait encore une bourde parce que normalement, la question, c'était quelle est ta plante préférée et celle que tu détestes? Et je me suis rendu compte, en fait, que je t'ai envoyé quelle est ta plante préférée, celle que tu préfères. Déjà, la phrase n'est pas française du tout. Mais en plus, c'était voilà, il y avait un manque d'infos, mais c'est moi, c'est pas grave. Et de toute façon, je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est la plante préférée. Même si je me doute un petit peu de laquelle tu vas nous parler, je te laisse y répondre. Ma plante préférée, c'est le pothos. Voilà, sans aucune hésitation, vraiment, si je devais tout plaquer pour aller vivre à l'autre bout de la planète. Genre là, par exemple, chez mes beaux-parents, bah, j'emporterais, si je ne pouvais rien emporter, mais que je devrais recommencer à zéro ma collection, ça serait avec un pothos. D'ailleurs, c'est la première plante verte que j'ai achetée à tous les gens qui n'aiment pas trop le jardinage. À ma sœur, à ma belle-mère récemment. Ouais. Plante hyper facile, hyper gratifiante et hyper graphique pour ce que j'aime en faire, c'est-à-dire souvent combler des espaces souvent verticaux, donc à suspendre ou à faire cascader, ça moi c'est vraiment mon kiff. Et voilà, Team Potos, je m'en doutais, parce que c'est vrai que tu l'as beaucoup dit que c'était ta plante préférée, et puis en même temps, ben, c'est des plantes, il y a pas mal de variétés différentes, puis on peut les faire grimper, on peut, comme tu l'as dit, les faire pendre, les utiliser pour combler un espace comme ça qu'on trouve un petit peu vide et qui est peut-être parfois aussi un petit peu moins lumineux parce qu'ils sont pas trop rancuniers. Facile à cultiver, à multiplier aussi. Donc voilà, les potos au niveau culture de plantes, moi je trouve que c'est juste un pur bonheur. C'est vrai qu'ils sont cool quand même. Pour la prochaine question, est-ce que tu as une astuce ou un conseil à nous partager? Alors une petite astuce à partager avec vous, c'est en lien avec mon spatifilum, donc la première plante que j'ai eue chez moi. Donc ça fait vraiment, donc j'avais 15 ans, hein, donc voilà, je vous laisse faire le calcul, ça fait plus de 18 ans que je l'ai. C'est une plante vraiment simple qui est vraiment increvable et si vous la laissez bien sécher entre deux arrosages, en laissant un peu les feuilles s'affaisser, elle refleurira parce que c'est une fleur de lune, on appelle ça. Elle a vraiment des jolies fleurs blanches qui sont plutôt jolies en intérieur. C'est pas le cas de toutes les plantes d'intérieur, toutes les fleurs qu'elles produisent ne sont pas forcément jolies et c'est pas forcément bon signe. Elle produit des jolies fleurs et plus vous espacez les arrosages, plus en fait à l'intérieur les racines vont produire des futurs. Tiges de fleurs, des futures ampes florales. Et du coup, si vous voulez bien qu'elles fleurissent, parce que quand vous l'avez achetée, elle avait des jolies fleurs blanches, et ben voilà, vous n'oubliez pas d'espacer les arrosages et aussi d'apporter de l'engrais. L'engrais plante fleurie, c'est encore mieux. Merci Marion pour tes conseils sur le spatifilum. C'est vrai que ici à la maison, je fais pareil aussi au niveau de l'espacement des arrosages, même si je t'avoue et je vous avoue aussi à tous que juste espacer les arrosages, ça n'avait pas été suffisant pour celui que j'ai ici à la maison. J'ai dû le rapprocher aussi d'une source lumineuse.
Je pense que peut-être je l'avais mis un petit peu trop loin de la source lumineuse, même si c'est une plante quand même qui s'adapte bien et qui aime bien aussi les endroits mi-ombragés. À la maison, j'avais peut-être poussé un petit peu trop le manque de luminosité. Et c'est vrai qu'au tout début, je le fertilisais, je pense pas assez aussi. Tu as entièrement raison au niveau fertilisation pour cette plante. Je pense qu'il en a aussi vraiment bien besoin. Tes conseils plus mon observation au niveau lumière a pu aider à ce qu'il refleurisse. Du coup, on va passer à la prochaine question. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les adjectifs qui te définissent en tant que passionné de plantes, tes qualités et tes défauts? Alors, en termes d'adjectifs, je dirais que je suis vraiment pas prise de tête. Je suis plutôt coolos avec les plantes. Je leur mets pas la pression. Si elles veulent s'endormir en hiver, il n'y a pas de souci. Je vais pas les embêter avec. J'ai quelques lampes de croissance pour des plantes qui sont vraiment loin de la fenêtre et qui vraiment vont galérer. Mais celles qui ont envie de s'endormir, il n'y a pas de souci. Je vais pas leur mettre des tapis chauffants ou autres. Je suis assez cool avec elles finalement. Et je ne suis pas alarmiste non plus. J'ai eu pas mal de nuisibles au tout début. Non, pas au tout début de ma collection. Quelques années après avoir commencé ma collection. Et du coup, maintenant, j'ai tendance à moins m'alarmer, à contrôler souvent les invasions avant de vouloir absolument tout exterminer. Voilà, je dis souvent quand on fait rentrer la flore chez nous, on fait aussi rentrer la faune, c'est normal. Et voilà, on apprend à cohabiter avec certains nuisibles, mais c'est pas grave. Voilà, au niveau de mes défauts, de pas être alarmiste, je dirais que ça peut être aussi un défaut, parce que du coup, on est un petit peu moins sur le qui-vive pour tout ce qui se passe. Mais je pense que j'ai des plantes à qui me le valent plutôt bien, c'est-à-dire qui s'adaptent plutôt à ma façon de m'en occuper. C'est-à-dire, voilà, on prend le temps, c'est pas des plantes qui aiment être constamment arrosées, donc si je suis pas très assidue sur les arrosages, ça se passe plutôt bien que mal finalement. Elle préfère ça. Et quand par contre j'arrose, j'y vais voilà, à fond, hein, une bonne douche. Donc ouais, je pense que je suis plutôt coolos en tant que passionnée. Je profite de mes plantes, mais je me prends pas trop la tête non plus. Ah bah alors là, je ne peux qu'adhérer. C'est vrai qu'ici à la maison, j'ai pas tout ça non plus. J'ai pas d'humidificateur, de lampe chauffante, de tapis chauffant, de produits miraculeux de toutes sortes. Je suis un peu comme ça aussi, plutôt à la cool. Comme tu le dis, tout se passe bien. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour vivre sa passion pleinement. Après, voilà, ça, je pense que ça doit rester un choix. Merci beaucoup à toi, Marion, de nous avoir expliqué tout ça et d'avoir fait ces petits rappels qui, pour moi, sont assez importants. On en arrive du coup à la dernière question. Est-ce que tu as un dicton ou un message à faire passer à tous les passionnés? Un petit dicton, j'en ai deux. Un vis-à-vis de l'arrosage, donc en anglais on dit « when it rains, it pours », donc quand il pleut, c'est torrentiel. Et ben, faites pareil avec vos plantes, voilà, arrosez moins souvent, mais quand vous le faites, et ben, allez-y bien, il faut que toute la motte soit mouillée de façon homogène, ça leur fait vraiment du bien. Et espacez du coup ces arrosages, laissez bien sécher entre les deux. Pour la plupart des plantes, bien sûr. Et un autre dicton, c'est pas un dicton, mais c'est un truc que je dis à chaque fois partout, sur mes réseaux, dans mon livre, partout. Si vous tuez une plante, ça n'est pas grave, ne vous découragez pas. Il y a beaucoup de débutants qui arrivent sur YouTube en cherchant, par exemple, une info sur une plante et qui tombent sur des chaînes YouTube comme les nôtres, avec une jolie collection, etc. Et qui se découragent en disant « Non, mais moi, j'en ai déjà tué plusieurs, ça va jamais aller. » Nous aussi, vous aussi, tout le monde, tous ceux qui regardent, ne dites pas le contraire. Et ça n'est pas grave, franchement, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ce que j'apprends à mes élèves tous les jours. Si on se trompe pas, on n'apprend rien du tout. Et pour les plantes, c'est pareil. C'est pareil. Et même ceux qui ont une formation et tout spécifique d'horticulteur ou autre, bah, des fois ça arrive. Alors eux, c'est peut-être moins un problème de connaissance, c'est peut-être des fois un problème d'oubli, etc. Et quand on commence à bien s'y connaître avec les plantes, parfois c'est moins un problème de connaissance plutôt que voilà un oubli. Ou alors on n'avait pas vu, on n'a pas fait attention, donc on n'avait pas vu un nuisible qui commençait à s'expatrier dans toute la maison. Ça arrive, c'est pas grave, ça vous empêche pas d'être passionné, ça vous empêche pas de partager votre passion
sur les réseaux ou ailleurs ou avec vos amis, etc. Vous pouvez donner des conseils à un ami qui a un petit jardin, même sans avoir beaucoup de plantes, par exemple, j'en sais rien. Vous venez ici et puis vous voyez qu'il y a un coléus là qui a très soif. Et puis il se trouve que chez vous, vous avez un coléus qui fonctionne bien. Donc vous pouvez très bien donner des conseils à cette personne. Ça ne pose pas de problème. Au contraire, l'expérience finalement, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, c'est que comme ça qu'on peut aider les autres et que nous on avance, mais aussi qu'on peut finalement donner des renseignements aux autres. Ce qui fonctionne chez nous, bien sûr, tous les conseils ne sont pas, comment dire, tous les conseils ne sont pas forcément tous... utile, parce que je sais pas, par exemple l'alcooléus il est à l'ombre, donc si je dis à ma belle-mère arrose tout le temps parce que le mien il a vraiment soif mais qu'il est en plein cagnard, évidemment le conseil ne s'applique pas, mais c'est toujours bon de discuter. De toute façon, entre passionnés, c'est ce qu'on souhaite quand on se réunit ou quand on échange sur les réseaux ou pas, c'est simplement pour partager nos expériences, et ça c'est hyper hyper important et hyper enrichissant. Moi vraiment, depuis que je suis sur les réseaux, j'ai appris plein de trucs, plein de trucs. Ça, c'est cool. Et bien voilà, j'ai encore appris quelque chose, un nouveau dicton que je ne connaissais pas et que je trouve très vrai du coup. Voilà, merci beaucoup à toi de nous avoir partagé ce dicton et aussi d'avoir rappelé qu'on est tous légitimes dans le fait de partager notre passion avec des autres et puis de donner des conseils. Peu importe tout au fait, peu importe le nombre de plantes, c'est quelque chose que... Je répète assez souvent aussi, et quand je l'entends par d'autres, ça me fait tellement bien en fait, ça fait tellement plaisir. Et voilà, juste merci pour ce beau message, Marion. Je te laisse dire au revoir et ensuite je clôturerai la vidéo. Alors du coup, je sais pas si je dois dire au revoir, donc si tu veux que je te fasse un petit clip au revoir, et ben je te le fais là. Merci encore beaucoup pour cette invitation, Priscilla, et je vous souhaite un bon visionnage. Bah écoute, de rien, c'est plutôt à moi de te remercier, comme je le disais en début de vidéo, je sais que tu as pas mal de choses à faire et tu as pris ce temps-là, donc vraiment encore mille fois merci d'avoir accepté de participer à ces petites vidéos passion végétale, de nous avoir partagé ta vision, ta passion à toi, comment est-ce que tu la vis, comment est-ce que tu la ressens, et puis surtout d'avoir passé tous ces beaux messages qui encore une fois sont, je pense, très importants à rappeler pour que tout le monde se sente bien, vive sa passion comme il l'a envie aussi et la partage comme il l'a envie aussi. Ça fait beaucoup de bien d'entendre tout ça, donc mille fois merci à toi Marion, je te fais encore plein de bisous, je me permets. Voilà, de te faire plein de bisous. Et à vous qui avez regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en visionnant ce nouvel épisode de Passion Végétale. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à envoyer plein de love à Marion. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour nous dire si vous avez apprécié cet épisode. Et puis, quant à moi, je vous fais plein de bisous green. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.